Parfois, quand on veut commencer une prod, on est un peu en panne d'aspi, on sait pas trop dans quelle direction partir. Il y a mille et une façons de faire des mélodies. Moi, ici, dans la vidéo, je vais te montrer une technique parmi d'autres. Tu pourras partir sur des mélodies trap, des mélodies drill, des mélodies boom bap, ce que tu veux avec cette méthode. Elle a surtout l'avantage de te débloquer, tu vois, quand il n'y a pas d'aspi, pas d'idée. Donc, tu vas te caler sur le BPM du genre musical dans lequel tu veux composer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de principes très simples, de théorie musicale. On va utiliser l'ostinato. L'ostinato, c'est quand t'as un motif mélodique qui se répète encore et encore, sauf qu'on va le texturer, on va mettre des effets dessus et on va en faire quelque chose d'aspirant qui permettra normalement de démarrer une prod. Donc tu vas ouvrir un synthé, n'importe lequel. Moi, je vais essayer de partir sur un synthé de base de FL Studio, comme ça je suis sûr que vous pourrez reproduire le truc. J'avais déjà parlé de Autogun dans une vidéo. Autogun, plus de 4 milliards de presets. Une fois que tu as trouvé ton preset, tu peux venir ici dans le point d'interrogation, Enter Number Preset, et tu copies-colles le numéro ici du preset. Tu peux fermer Autogun, et ensuite tu viens sur Ogun. C'est deux VST qui sont liés, si tu veux. Sauf que sur Ogun, en venant ici, en tapant le numéro du preset, tu vas pouvoir retrouver le preset, mais tu auras plus de contrôle pour le coup, si nécessaire. Tu pourras désactiver Reverb, Delay... Bref, c'est pas ça qui est important. Tu vas te caler sur le BPM du genre musical sur lequel t'as envie de composer. Tu vas ouvrir ton piano roll. Tu vas choisir une gamme. Alors moi, la plupart du temps, j'essaie de pas choisir la gamme avant de composer. Mais ici, on va le faire. On va partir du principe que t'es vraiment calé niveau aspiration et donc ça pourra t'aider. Voilà, par exemple, moi je vais me mettre sur un Fa mineur aéolien. Et tu vas construire un ostinato, donc un motif mélodique qui se répète. Pas hyper important de passer une heure à faire ça. Tu peux vraiment construire un motif ultra rapidement. Parce que c'est surtout la basse qui va amener finalement le discours à cette mélodie. Donc regarde, même si tu fais quelque chose au hasard... Voilà, donc c'est un exemple de motif qui se répète. Je vais en faire plusieurs pour te montrer que ça a vraiment pas d'importance en fait. Et quand je te dis que cet ostinato, ce motif mélodique qui se répète, il a pas trop d'importance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es calé sur une gamme, ils vont pratiquement tous fonctionner. C'est surtout ce que tu vas venir faire dans les graves qui va donner pour moi le discours à cet ostinato. Voilà, ici je suis parti comme ça, on aurait pu faire autre chose. Une fois que tu tiens quelque chose qui te donne envie, qui t'inspire, tu peux venir essayer de compléter encore avec des mélodies aux octaves supérieures, ça c'est toi qui vois. Tu vois, normalement, à partir de là, quand t'as déjà une base comme ça, ça devrait déjà t'inspirer, te donner des idées de mélodie. Voilà, donc là, on a déjà quelque chose qui fonctionne d'un point de vue mélodie. Maintenant, on va essayer de texturer ça, rendre ça un peu plus intéressant. Donc après, t'as toute une flopée d'effets que tu peux ajouter là-dessus. Il y en a qui sont hyper connus, comme Halftime, par exemple. Halftime, il va te permettre de diviser par deux la vitesse ou de la diviser par quatre, de rendre ça un peu plus chargé en basse fréquence aussi. Pas obligé de le mettre à fond à Halftime. Et je te conseille d'ouvrir un equalizer derrière direct parce qu'il va te le surcharger en basse fréquence. Donc là, on reste sur quelque chose d'hyper simple, Halftime, Reverb. Ce que tu peux faire aussi, par exemple, c'est de venir sauvegarder cette mélo, donc la consolider. Bah, à partir de là, tu peux te faire plaisir avec toutes sortes de modifs. Déjà, tu peux essayer de le reverse, par exemple. Toutes sortes d'effets que tu peux venir appliquer dessus. Parmi les plus connus, RCVA Retrocolor, évidemment. Tu vois, qui peut te permettre de texturer encore un peu plus ça.
pourrait partir sur grosse beat aussi par exemple, venir mettre une petite vibe comme ça. Ce genre de truc, moi je trouve que ça marche bien quand c'est suivi d'une reverb. Voilà, tu peux aussi utiliser Glitch, tu vois. Avec Glitch, tu peux venir faire des petits tap-stop, des petits effets comme ça, bien fun. Tu peux ajouter du get. Bref, ici, je le paramètre pas, je te montre ça en 2-2. Mais voilà, c'est juste pour dire que tu as une flopée d'effets. Tu peux même rester sur les natifs. Fruity Delay 3, le nouveau, là, il est intéressant aussi, lui. Quand tu fous à zéro ces potards-ci, là, ça devient un outil super intéressant. À partir de là, normalement, tu as vraiment une base qui peut te permettre de construire autour, t'as quelque chose d'aspirant. Pour le fun ici, je vais ajouter vite un rythme avec Alter Drum. S'il y a des mecs de mes formations qui voient cette vidéo, ça, je voulais ajouter dans les bonus de formation, d'accord, vous l'avez. Voilà, normalement, donc quand tu as construit comme ça une base, tu as déjà largement de quoi débloquer ton inspiration. Bref, tu as compris l'idée. Juste avec Asate, un ostinato accompagné d'une ligne de basse, quelques effets de sound design, tu peux obtenir une base mélodique aspirante qui te débloque directement. C'est bien de connaître des petites méthodes, des petites techniques comme ça qui peuvent te débloquer, te donner de quoi démarrer ta prod en moins de 3 minutes, tu vois. Donc ici, t'en as vu une. Bah, je te conseille de l'essayer. N'hésite pas, petit pouce vers le haut. C'est vraiment important, là, défoncer le pouce vers le haut parce que je pense pas toujours à le dire et c'est vraiment important. Si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, vous le dites dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils sont dans la description. Moi, je te dis à très bientôt. Peace.